Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour ce nouveau Let's Play. Donc le choix. Merci aux trois qui ont voté. Cette fois-ci, la dernière fois, c'est le troisième fois que je fais un vote. La première fois j'en ai eu un, la deuxième j'en ai eu deux, la troisième j'en ai eu trois. Donc le prochain j'aurai sûrement quatre personnes. Donc c'est déjà pas mal. Bon, trêve de plaisanterie. Donc le Let's Play qui a été choisi, vous avez voté. Donc deux qui ont voté pour Lost Planet 3 et un pour Beyond Two Souls. Donc le gagnant sera donc Lost Planet 3. Donc bah, je vais démarrer le petit Let's Play sur ce jeu. Alors j'ai fait quelques tests, j'ai déjà vu un petit peu le début, mais de toute façon je vais repartir. Alors j'ai essayé de faire quelques réglages, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça va ou pas. Donc j'ai laissé le son des cinématiques assez fort, mais j'ai baissé un petit peu tout le reste. Donc dites-moi si vous préférez que je le remonte. J'ai laissé aussi les sous-titres dans les vidéos, donc dites-moi si vous voulez que je les laisse ou pas. Je les enlèverai pour la fois d'après s'il y a besoin, si vous êtes certainement à me dire que non, c'est pas la peine. Voilà, allez, c'est parti, on démarre le jeu. Nouvelle partie en normal. Oui. Grand-père? Pitié. Pitié, dis quelque chose, je t'en prie. Diana. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu es sur ma main. Oh. Reste. Reste calme, je vais te sortir de là. Ton harmonisateur est mort, mais je t'ai donné le mien. Y a pas beaucoup de TM. Ça a marché. Ils sont en vie. Je crois, oui. L'effondrement les a protégés. S'ils s'en tiennent au plan, ils seront à des kilomètres de profondeur avant l'arrivée de Novek. Bien, bien. Tu dois partir avant que ça arrive. Aucune chance, mon vieux. T'es tout ce qui me reste comme famille. Je te laisserai pas ici. Bordel, pourquoi je peux pas bouger ce truc? Tu as aussi têtu que ta grand-mère. Tout ça, c'est de ma faute. Si seulement je t'avais écouté. Non, tu avais raison. Je méritais tout ça. Oublie tout ça, je t'en prie, ça n'a aucune importance. Mais si. Quand on garde des secrets depuis si longtemps, j'aurais dû t'en dire plus. Tu méritais de savoir. On aura le temps plus tard. Arrête. Allez! Et merde! Diana. Arrête. D'accord. Tu sais, là-bas sur Terre, mon père pensait qu'il fallait se confesser. Pour être pardonné. Il n'a jamais eu cette chance, mais... c'est peut-être la mienne maintenant. J'ai quitté une terre plongée dans le chaos. J'avais 32 ans lorsqu'ils m'ont engagé. Des possibilités audacieuses et lucratives. Rejoindre la première expédition humaine sur une planète inconnue. Il y a 50 ans maintenant. 50 ans d'existence dans l'ombre de mes actions. 50 ans d'enfer à cause de moi.
Un peu dommage de chargement. Bon sang, ce qu'il fait froid! Ils vont venir nous chercher dans combien de temps, d'après vous? Ça dépend de l'impact de la tempête sur notre trajectoire. En revanche, la balise indiquant notre position à l'escouade de sauvetage a été arrachée pendant le crash. Sans elle, nos chances de survie sont... plutôt minces. Nous devons la retrouver. Restez là et je pars la chercher. Allez, c'est parti! Donc, bon, TPS, voilà, il y a déjà quelques créatures qui viennent me dire bonjour. Doc, je crois qu'on n'est pas seul ici. Alors, hop, alors il y a un nombre de touches impressionnant à configurer dans ce jeu-là. J'ai pas assez de place en tant que gaucher, c'est une horreur. Donc je ferai avec. Prions pour que ce ne soit pas la balise. Sinon, graphiquement, il est quand même plutôt joli. J'ai laissé les configurations de base par rapport à ma config. On va mettre un peu de lumière. Voilà. ça y est. Oui, il y a du mob. C'est énorme. Je l'ai déjà fait cette partie-là. Ah. C'était surtout pour voir si le jeu... si le jeu passait bien. Alors ils disent R pour recharger, sauf que moi c'est 1. Donc il va falloir que je me souvienne. Donc on peut esquiver dans ce jeu là, donc droite, gauche, hein, avant, machin. On peut esquiver, normalement il y a un grappin mais on l'a pas pour le moment. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver petit à petit. Allez. Ok, la balise est là. Allez, regamelle. Je crois que j'ai des amis. Allez, viens des... Oh là là, j'ai la souris qui est trop... Aïe. Putain, j'ai trop de sensibilité dans la souris, c'est horrible. Allez, c'est bien, vas-y, fais-toi taper. Normalement j'avais mis le corps à corps là, ça veut pas, d'accord. Ok. Va falloir que je revoie les configs, certaines touches ont l'air de pas passer. Les points de vie, je ne sais pas où sont sur le personnage, je pense que ça doit être sur la combinaison. J'avoue que je ne sais pas. Et je trouve que j'ai la sensibilité, je bouge à peine là, je trouve qu'elle est trop grande. Je vais, voilà, après... Alors peut-être que je vais m'y habituer à force. Voilà, mort. Mort. Bon, c'est la première arme, donc on a. J'ai l'impression qu'on a les balles infinies. Alors je peux courir aussi. Ah oui, oui, oui. Là voilà. Toujours au dernier endroit. On va attendre un peu. Bon, je sais ce qui se passe, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de QTE, parce que sinon je vais être dans la merde. Voilà. Plus. Voilà. Là, 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 c'est bon. La cavalerie est arrivée. Merci d'être là.
À charge de revanche. Maudit tabarnak, t'embête pas avec tout ça. Retourne dans la navette. Et te fais pas marcher dessus. Alors, il y a un Canadien. Et c'est normal, c'est prévu dans le scénar. Kovac, docteur Kendrick Kovac. Merci de ne pas m'appeler Kenny. Hé, moi c'est Hutchings. Le Canadien sympathique, là, c'est La Roche. Bon, t'aurais pas un fusil de longue portée, des fois? Pas sur moi, non. Mais quelque part dans le vaisseau, j'ai un 30-06, une sorte d'héritage familial. Je ne sais pas où je l'ai rangé, d'ailleurs. Sinon, j'ai mon flingue. Bon, ça ira. Attends une seconde. Je m'en vais retrouver la sécurité relative de l'intérieur. Bon, et eh bien, bonne chance. Bon, graphiquement, il dépote pas mal, hein. Moi j'aime bien. Après... J'avais sacrément de la chance d'être arrivé en un seul morceau. Cette tempête a débarqué de nulle part. Docteur Roman est formel. Votre trajectoire de rentrée était parfaite. C'est bizarre tout ça. Elle se plante sur beaucoup de choses en ce moment. Une mode! Quel superbe spécimen! Je vous en prie, allez-y, tuez-les! C'est ça ce qu'il appelait des créatures indigènes non belliqueuses, le recruteur? Ah, mon pote, tu vas devoir prendre ce que raconte Navek avec des pincettes. Et même des pincettes, monseigneur. Tu parles comme Diaz. Dis ce que tu veux, mais elle posait les bonnes questions. Ben oui. Si tu crois que c'est bien de balancer des histoires de complot pendant qu'on essaie de boire en paix... Et pourquoi travailler pour une boîte si c'est pour l'accuser de faire des choses pareilles? C'est qui ça, Diaz? Elle a l'air d'être sympa. C'est elle que tu remplaces. Une ouvrière freelance comme toi et moi. Sauf qu'elle, elle a disparu. En tout cas, cette relève arrive au bon moment. Ah ça, on crève la dalle et le porno devient chiant. Je suis sûr que Braddock va... Oh, merde! Oh, que se passe-t-il? Vous êtes mort? Non, je me suis débrouillé pour survivre. Et maintenant? La combinaison environnementale est dans la portée ombilicale de mon méca. Tu vas pouvoir consulter des analyses tactiques, une mini-car, un radar, un inventaire. Essaye juste de rester près de mon méca. T'as-tu compris? Ça marche. Utilise ton radar pour voir les ennemis en approche. Regarde, vite! Hey, le nouveau! Ramasse donc le sang orange qui brille laissé par les bestioles. T'en auras besoin pour plus tard. Tu penses pas? Non mais d'accord, il y en a derrière, sale bête. Ça arrive de partout. Alors j'ai déjà fait cette partie. Et c'est après, oh, on doit aller réparer un truc. Voilà, allez, pique un. Non, encore. Un. Ça va, j'ai encore un peu de mal avec la souris. Zut. Alors il y avait visée automatique, mais ça j'ai enlevé. Pas fan de la visée automatique. Bon. Merde, la dameuse en a pris un coup. Tu t'y connais en mécanique, toi, non? Non. Tu peux voir si tu peux pas réparer? Ouais, je vois ce qui cloche. Donne-moi une minute. Ok. Le nouveau, tu sais comment réparer? D'abord, tu dois trouver la bonne fréquence de réparation. Ouais, merci, boss. Je sais ce que je fais. Comme tu veux. En fait, faut laisser appuyer, hein. Là. Je crois que c'est bon, mais bon. Voilà. Ok, tout est bon. Attention, tu as de la compagnie. Super. Là. Hop, je cours. Ils sont à mon cul. Esquive, on se retourne. Bam, voilà. On fait du style quand même. Hey,
joué. Dépêche-toi maintenant. Retourne sur la navette. C'est parti. Allez, hop, on ramasse tout ce qu'on a à ramasser. Il en reste un. Il semblerait, il veut pas descendre le dernier. Non, il a l'air d'être coincé. Eh ben, c'est où la sortie? Ah, mais c'est là-bas, d'accord. Bon, je suis venu par là pour rien, en fait. Non, il veut pas descendre le dernier. Il est coincé. Ah ouais. Il est bugué. Énorme. Bon allez, c'est parti. Donc là, maintenant, je vais découvrir complètement le jeu. J'avais fait que la première partie jusque là et je m'étais arrêté. Bravo, accroche-toi maintenant. La roche, tu prends par le haut pendant que je fais le tour. À tes ordres, petite tête. Et voilà comment j'ai découvert EDN3. Mon baptême du feu. Le reste du trajet vers la base était plutôt anodin. Mais le calme n'a pas duré. Écoute, tu n'étais pas sa seule amie sur cette base. Diaz nous manque à tous. Mais j'ai essayé de te prévenir, Nevek ne considérera pas ça comme une excuse, ils n'obtiennent pas de résultats. Ça n'a rien à voir avec Jeannette et tu le sais ça. Donc tu me mets ça sur le dos encore? Ah, je n'ai rien dit de tel. Inutile de le dire, c'était assez clair. Ça n'existe pas, ce qu'ils recherchent. Je concentre mes efforts sur les données scientifiques. Tu faisais pareil jadis. C'est toujours le cas, Bonnie. Mais je n'ai plus un mot à dire. Nevek paie la facture de cette opération. Et ils insistent. Et c'est tout. Alors tu dis plus un mot. Je dis... Tu sais, c'est grâce à moi si t'as encore du boulot ici. Oh oui, un boulot à obéir à ce... type. Ah, docteur Kovac. Content de vous savoir encore en vie. Oui, cette matinée fait des plus mouvementées. Phil Braddock, je présume. Docteur Roman, ravi de vous revoir. Le temps passe vite, Kenny. Veuillez m'excuser. Ok. Et vous devez être Jim Petal. On m'a raconté vos exploits à l'extérieur. Vous devez avoir un millier de questions. Ça ne vous embête pas de commencer tout de suite? Non, monsieur, je suis là pour bosser. Tout ce que je dois savoir, c'est comment gagner des crédits dans le coin. Thermo-énergie. Voilà de quoi il s'agit. Du sang d'acryl, eh bien... Ça m'embête de vous dire ça, mais on vient d'en gaspiller des litres. Ah, il y en a beaucoup plus que ça. Elle circule partout sur EDN3. Dans les créatures, la lithosphère... Tout droit jusqu'au cœur. Elle rend la vie possible dans un climat pareil. Cette substance est unique dans l'univers. Et Nevek estime qu'elle peut résoudre la crise énergétique sur Terre. Ah, c'est aussi mon avis. On doit l'étudier et parvenir à la rendre viable, arriver à la récolter à moindre coût et l'exporter. On étudiera chacun de ces aspects. Parfait. La science est plus belle si elle n'est pas confinée. Petton, j'ai des tas de contrats qui vous tiendront occupés. Construction et réparation autour de la base, mais... Si vous voulez rentrer chez vous prospère, choisissez le salaire du danger. Et fournissez-nous un max de TN. Oui, monsieur. J'ai juste besoin de mon méca. Peyton, je vous conseille fortement d'aller voir l'intendant militaire pour obtenir un bon couteau de chasse. Vous avez vu à quel point les Acrides aiment le contact. Mais avant cela, descendez à l'atelier et demandez à Gale, le chef technicien, où en est votre méca. Bienvenue à bord, Jim. Docteur, restez un moment avec moi. Désolé pour le spectacle. Comme vous le savez, Bonnie adore l'exagération. Vraiment? J'ai cru à du sarcasme. D'habitude, elle se contente de hurler. Oui, bon, les circonstances sont un peu différentes aujourd'hui. Elle sera, j'en suis sûr, un membre coopératif et productif de votre équipe. Une petite seconde, docteur. J'ai des nouvelles de La Roche? Rien pour l'instant, monsieur. Il ne répond pas aux appels. Bon, tenez-moi au courant. Contrôle, ici Campbell, à la distribution avec Ermolaev. Les conduits du bloc Est sont encore gelés. Bon sang, on vient juste de les dégeler. Faites intervenir Agabi avec les réchauds. C'est sympa. Appuyez sur retour pour le journal de travail. Alors, d'accord, mission, d'accord. Il y a un petit donc un HUD pour vérifier un peu tout. Donc, récupérer le méca. Baroque veut que je parle à une certaine Gale, une fille en charge de la technique. Trouver Gale, elle est à l'atelier au sous-sol. Après, on a quoi à côté? Donc, ok, on a accès à une carte. On peut zoomer, dézoomer, sympa. Ok, en touchant les touches. D'accord, si je fais à droite, ça change. Et ça, c'est les armes qu'on peut avoir et on peut faire des améliorations. On peut avoir des améliorations et améliorer notre méca. Ok, bon, bah, il a l'air d'avoir pas mal de petites choses. T'es sérieux? Ah oui, c'est un... Ok, pas mal.
Alors, bon, pour le moment, ah, je suis sûr que. Alors, étoile pour ramasser. D'accord, et je viens d'avoir un petit trophée. Je pense qu'à mon avis, il doit avoir pas mal de petites choses. Donc, retour arrière, on va voir ce que ça fait. C'est le décès d'exploration aujourd'hui. Journaux, audio, et à mon avis, ça doit être un journal textuel. Voilà. Jessica adorait l'amour que je te porte, réchauffe mon cœur et m'empêche de geler pendant ces longues nuits, faites de solitude, de douleur et de froid. Je te vois partout. Les étoiles du ciel sont tes yeux. Il faudrait que ça arrête de bouger là. Allô? Tu arrêtes de bouger, merci. Les ciels sont tes yeux, les plaines enneigées balayées par le vent glacial sont ta peau douce et parfaite. Pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Non, mais faut que ça arrête de bouger le truc là, c'est chiant. Bon, ils veulent pas que je le lise. Ok, d'accord. Page haut, page bas pour faire défiler. Oui, ça y est. Pourquoi peau douce, hein, pourquoi ne m'as-tu pas répondu? D'après Tony, tu t'absentes beaucoup de la maison ces derniers temps et les crédits que je vire sur ton compte disparaissent instantanément. Réponds-moi, je t'en prie. D'accord. Donc, on va trouver des petites histoires de gens. Ok, c'est un. Encore un rideau. Alors, bon, globalement, pour le Attention. moment. La canalisation d'eau du bloc Est sera gelée pendant au moins 2 heures. Ouvrez toutes les vannes jusqu'à la fin de l'intervention. Ah, à nouveau. Oui. Ah, c'est bien, ils ont mis plein de petits trucs à côté. Donc je vais essayer d'explorer un peu tout le jeu, donc peut-être que ce sera un peu plus long, hein. Donc il faut que j'aille. Ah ben en plus ça me dit où faut que j'aille, donc entrée pour. Je sais, vous êtes tous ravis de recevoir cette navette d'approvisionnement, mais pas de bousculade. Si quelqu'un ne respecte pas son tour, je bloque sa paye pendant un mois. Sympa. Ça donne vraiment envie. Allez. Eh oh! Eh ben quoi, y a personne? Oh! Salut! C'est toi la nouvelle Jeannette? Ouais, c'est ça. Appelle-moi Jim. Jim! Formidable! Bienvenue sur EDN3, Jim. Le E, ça veut dire extrême. Pour le reste, tu bosses encore. C'est bien, mon gars. Et maintenant, tu pourrais me dire où est rendu ton boss? Oh, monsieur Braddock? Je croyais que tu l'avais déjà vu, mais. Ok. Non, le chef technicien du hangar, une gonzesse qui s'appelle Kale. Ouais. Ok. C'est moi, en fait. Et oui, je sais, on me le dit tout le temps, j'ai un nom de fille, il est où ton maquillage, et blablabla. Mais mec, je sais à quoi tu penses. T'as pas à t'inquiéter. J'ai presque pas besoin de maquillage pour ce travail-là. Je blague, t'as pas envie de rigoler? Bon, ok, pas de problème. Écoute, petit. Gale. Et si on faisait connaissance pendant que je prépare mon méca? Oui. T'es sérieux? Oui. On l'a envoyé en plusieurs morceaux. Maintenant que je suis là, on peut l'assembler. Ouais, le truc, c'est que je l'ai déjà fait la semaine dernière. Pardon? C'est un beau méca que t'as là. Un design bien pensé, j'ai eu aucun problème. Je me suis bien marré. D'ailleurs, tout fonctionne et c'est génial, je te dis. Et je viens de peaufiner les derniers détails. Tu parles de quelle sorte de détails? Oh, eh bien, j'ai rajouté quelques rétracteurs propulsés. Jeannette trouvait ça utile quand ça se mettait à chauffer, et ça chauffe quand même pas mal pour une planète de glace. T'as saisi? Une planète de glace? La chaleur? Petit, écoute bien ce que je vais te dire. Mon monde se résume à 3 choses, ma femme, mon gosse et mon méca. Devine sur quoi je compte pour protéger les 2 autres. Tu me suis? Je mets tous mes œufs dans ce panier, je l'ai construit tout seul, je connais chaque pièce et chaque circuit. Alors pas question de tomber en rade à cause d'un stagiaire foireux qui se la pète. Ok, j'aurais 2 trucs à te dire. Vas-y. D'abord, tu peux pas dire mon monde puisque t'es sur une autre planète. Désolé, ça me gêne un peu. Et? Et ensuite... Ok! C'est toi qui commandes, Jim. Je suis juste là pour t'aider, moi. Fais un galop d'essai quand t'en auras envie, et s'il est pas au top, je le démonte d'ici demain matin. Ça te va? Tu vas pas le regretter, je t'assure. Lâche-moi la main. Ok. Énorme.
Ton méca est dans ton hangar. Je t'y retrouve sur place. Prends ton temps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs qui... Jim Payton, veuillez contacter l'intendant militaire au sous-sol. Jim Payton est attendu chez l'intendant. Oui, c'est moi. Cher journal, je sais qu'il est tôt, mais ce matin, j'ai été touché par la déesse de la création artistique. Je prenais le petit déjeuner et Colbeck est venu avec ses galettes au gluten de blé ou un truc du genre. Et ça m'a rappelé le maïs que mes vieux cultivaient quand ils avaient encore leur ferme sur Olympus One. J'avais pas 10 ans, mais j'ai construit cette chose que j'ai appelée Maïs à tort. Une sorte de lance-pierre améliorée. Et puis j'ai réalisé qu'il y avait plus personne à table, alors je suis allé installer des rétracteurs propulsés sur le méca du nouveau gars. Elle est devenue un peu comme un Maïs à tort humain, tu vois? Sauf qu'en fait, c'est un peu différent. J'espère que ça lui plaira. Je crois que je vais prendre un café. Ou aller dormir. Dormir, c'est pas mal. Mais bon, un café, c'est mieux. Oui, je voulais pas que ça coupe le test, c'est pour ça que je l'ai esquivé. Bonjour. Non, tu veux pas parler. Ok, t'en as rien à carrer. Parfait. Allez, donc on va aller. On doit aller. Retour arrière. On doit aller où? Moi, j'ai une mémoire à trous. Pourquoi? Oui. L'intendant. D'accord. Vu que il faut que j'aille l'intendant, donc avoir un couteau. Et c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à faire du corps à corps. Ok, bon bah c'était juste là. Je peux avoir toutes les armes là, s'il vous plaît? Merci. Il paraît que tout le hangar s'excite à mort pour des petits nouveaux. Je suis l'intendant. Mon nom est Bowers, mais on m'appelle Birdie. Si tu gagnes tes sous honnêtement, viens les dépenser ici. Ok l'ami, prends ton temps et regarde mon chouette matos. Je te laisse tranquille. D'accord, donc il va falloir gagner, donc récupérer... Un bon couteau de chasse, le top pour le contact. Il a une garantie à vie et un aiguisage gratuit illimité, mais t'en auras jamais besoin. Ah bon? Pourquoi crédit insuffisant? Oui, je suis à 5000, je sais, ouais. Composant spécial, donc fusil à pompe bénéficiant d'une grande force d'impact, mais d'une portée limitée, parfait pour le corps à corps. Pistolet à canon gros calibre, ouais... s'améliorer. D'accord, il y a des packs de munitions supplémentaires. Bon, ça, on verra plus tard. A plus dans le bus. Oula. Le plaisir est pour moi, Birdie. Rien à ramasser. Ouvrir le casier. D'accord, emplacement de l'arme 1. D'accord, c'est-à-dire on peut avoir des armes supplémentaires. Ok. Parfait. Ah, là, il y a un truc. Y arriver, faut bien le viser, voilà. Oui, bah vas-y, lance. Allô? Non? Non. Je veux pas le lancer, celui-là. Alors, audio. Donc, c'est rétracteur, changement, c'est que... Cher journal, je sais qu'il est tôt, mais ce matin j'ai été touché par la déesse de la création artistique. Cher journal, le président et ses alliés de l'opposition se sont retirés du gouvernement d'Union Nationale aujourd'hui, de crainte que le parti militant Crimson ne réclame les réserves énergétiques restantes. Le parti Crimson a contribué à la chute du gouvernement lorsque ses miliciens armés ont occupé la majorité du pays en septembre dernier, forçant le président à leur céder un gouvernement dit d'unité nationale, fortement handicapé. Avec la crise énergétique solidement ancrée et peu d'espoir de résolution, les observateurs craignent que ces derniers événements ne causent un effet domino qui bouleverserait l'ensemble du continent. C'était Suzanne Lee pour IBR. Allez, c'est parti. Donc, faut aller à l'étage supérieur. Allez. Allez. D'accord, je vois rien qui s'éclaire. On fouillera plus tard. Oui. Jim va sortir. Allez, on prépare le méca, les gars. Pas mal du tout. Merci.
Et ça, c'était inutile. Oh, t'es prêt à essayer ça? Des rétracteurs hyper tendus et imperméabilisés. J'appelle ça le cockpit express. T'en as à l'avant et à l'arrière. Accroche-toi, donne un coup sur la corde et zoom! Zoom, ça veut dire se jeter contre un truc en métal en partant 10 mètres plus bas et en espérant ne pas mourir? Tu préfères te faire bouffer? Ouais. Alors ce sera zoom. Ah, je vais devoir m'habituer. Avec la fourche. Bravo! Maintenant, teste les servomoteurs du bras avec la perceuse. Bravo! T'as vu à quel point ton bras bouge plus vite? C'est mon petit cadeau. Allez, encore quelques tests. Maintenant, la perceuse. Super! Et pour finir, j'ai amélioré le blindage en posant des boucliers de catégorie 4. Prends une pause défensive. Magnifique. Crois-moi, sur EDN 3, tu vas l'utiliser, cette pose. Et super souvent. Bon, allez, on a fini. On peut libérer ton méca. Sois libre et envole-toi, mon petit oiseau. Okay. La Roche répondait. Base Coronis à La Roche. Vous me recevez? Bon sang, on peut pas perdre La Roche maintenant. Diaz vient à peine de se faire remplacer. Chef, ici Jim Payton. Vous me recevez? Payton, votre méca est déjà opérationnel? Oui, apparemment le gamin connaît son boulot. Je vais quand même m'en assurer en faisant un tour. Votre copain le Canadien est encore dehors? Ouais. Il ne répond plus aux messages radio. Bon, et si j'allais le chercher? Je sais à quel endroit on s'est séparés. Et comme il nous a sauvé les miches... Parfait, Payton. Vous avez votre première mission. Bonne chance. Ok, c'est excellent. J'adore. Le VK est énorme. J'aimerais bien juste une petite sauvegarde quand même. Ok, donc je vais stopper ici. Et oui, on veut la suite, on veut la suite. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Le jeu commence très bien. J'adore l'ambiance du jeu pour le moment. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et je pense que vous allez aimer aussi ce petit let's play sur le jeu. Donc, beaucoup de blabla pour un premier épisode, mais c'est un petit peu normal. Souvent, c'est les présentations des jeux. Le temps de vous mettre dans l'ambiance et dans le contexte, et voilà, donc bon, je pense que l'action va commencer à arriver d'ici peu. On en a eu un petit peu au début, où j'ai eu un peu de mal, mais c'est bon, ça commence à aller mieux. Et puis voilà, donc j'espère que le petit épisode vous a plu. Prochain épisode, donc jeudi, donc ce sera tous les lundis et tous les jeudis, le let's play sur Lost Planet 3. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook et sur le groupe Steam. Vous trouverez le tout dans la description dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur ce que je vous ai dit au début. Dites-moi si le son globalement vous va, si c'est correct ou pas, si les dialogues sont trop forts, s'il faudrait que je baisse un petit peu. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.